La fête du printemps marque le début de la nouvelle année chinoise. Titoni, président d'honneur de The New Chinatown Foundation, explique que pour les Sino-Mauriciens, c'est un moment de bonheur et de repos. Dans toutes les années chinoises, nous pouvons faire beaucoup d'activités pour relever ce Chinatown-là. Et comment là, on peut faire un dessin comme ça. Si des gens ont un dessin, nous pouvons changer, nous pouvons faire des choses. Nous pouvons faire nous, l'antenne, tout ça là. Tout ça fait là, nous pouvons faire beaucoup. Quand il y a là-bas un petit moment, nous pouvons faire nos bonnes rôles pour faire tout le monde qui fait l'année chinoise. Après, dans Chinatown, nous faisons beaucoup d'activités depuis plusieurs années. Toutes les années, nous pouvons continuer de travailler. Avec nous, ce qui nous dit, c'est que Chinatown peut être revu. Quand revu, nos économies ont bougé. Dans nos pays, nos polis, nous avons un sens, nous avons refaire. Anusha, membre de la fondation, souligne que cette fête va C'est de New Chinatown Foundation que chaque année nous venons peindre ici, Manfresse, Man Chinatown, tout ça. Mais plus beaucoup, Man Mio, Mural, tout ça avec la peinture. C'est un but pour renouveler pour lui-même New Chinatown plutôt. Et le but, c'est plutôt comme un nouveau festival, puis approcher festival nouvelle en Chine. Alors c'est pour ça que nous choisissons ce moment-là pour renouveler tout le monde fresque et peindre et mettre plus beaucoup en face la peinture aussi. Tout à propos aussi, plus de street art. Nous commençons, disons, un peu l'année qui nous commençait avant, mais je pense qu'il y a une bonne initiative qui chaque année nous fait et aussi pour attirer aussi le touristique et l'endroit aussi est plus attirant pour tout le monde. Monsieur Zeltu, une bonne fête de printemps aussi. Amusez bien et bien sûr, pas de péter, mais pas fait aussi pollution. Mais bonne fête pour tous les Mauriciens et d'autres aussi. Anaël énumère les activités prévues le 26 janvier prochain. Fait un peu longtemps dans New Chinatown Foundation. La plupart du temps, quand on a presque tout bonne fête, à chaque fois, c'est redéco New Chinatown. Enfin, redéco Chinatown. Par exemple, là, on a l'année chinoise. Je peux repeindre ma tôle, repeindre poubelle. Là, je peux mettre le rap parce que cette année, c'est l'année du rap. Après, comment vous préparez pour ça? Après, il y a une parade aussi qui peut faire dans Chinatown. Donc, nous pouvons participer dedans aussi. Il y a un lion chinois, un dragon aussi. Il y a manger aussi. Un volontaire d'y être prêt à donner un coup de main pour la fête. Bon, mon cadre, mon grandi dans Chinatown. Mon rejoint le groupe New Chinatown Foundation un an de cela. Et c'est par rapport à philosophie M. Jean-Paul Lam, qui approche moi, il présente moi sur une philosophie pour la communauté, travail social. Et depuis, je suis actif dans tout travail bénévole qu'il y fait. C'est bon? Et vous pouvez faire? Comment vous pouvez aider? Ben moi, bon, nous aide les pas distincts que nous capables d'aider. Si demain il y en a pour venir, mettre un petit saut, les gants, nettoyer. Je dirais que c'est ce qu'il nous faut faire dans la journée, nettoyer, même besoin de laver, brosser, mettre chemin propre pour n'importe quelle activité. Nous là, nous présents.